tombe sur quelqu'un. Amen, 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 amen. Je le saisis. Nous sommes en train d'appeler ces millionnaires à venir dans l'église. Amen, 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 amen. Les millions ne viendront pas quand tu fuis l'église. Sois dans l'église. Sois dans l'église, à ton poste. À ton poste. Dans ta position. Dans ta position. Alléluia. Dans ton service. Dans ton service. Dieu va te visiter. Alléluia. Comme il a visité. Yes, yes, yes. Il a visité cette personne. Alléluia. Et il y a eu des retombées. Il y a toujours des retombées. Avec Jésus, il y a toujours des retombées. Avec Jésus, il y a des retombées. Il y a toujours des retombées, bien-aimés. N'ayons pas peur, alléluia. N'ayons pas peur, bien-aimés. Ne nous retrouvons pas dans le cas où le Seigneur dit, pourquoi avez-vous peur? J'ai un peu de foi. Non. Nous n'avons pas peur. Nous sommes tués en temps. Au nom de Jésus. À un moment donné, on doit se glorifier. Amen, amen, amen. Nous sommes enfants de Dieu. 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 Jésus qui se retrouve devant Pilate. Pilate dit, ne sais pas que j'ai sur toi le pouvoir de la vie ou de la mort. Il a dit, il n'y a aucun pouvoir qui t'a été donné si c'est mon Père qui te l'accorde. Amen. Et tu dois savoir que mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes associés, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Yes. Et pendant que Jésus était devant Pilate, les anges étaient simplement en train de dire au Père, Père, ordonne-nous que nous descendons. Alléluia. Alléluia, soyez bénis, pasteur Rig. Alléluia. Mon cœur tressaillit de joie. Amen. Parce que je crois à ces choses-là. Hey, et ça avec effet immédiat. Effet immédiat. Alléluia. Nous avons prié une année. Jésus. Nous avons récolté, non? Amen, pasteur. C'est mon midi, c'est mon instant prophétique. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez les choses qui viennent une fois. Ça vient avec des effets. Amen, amen. Après, une année, nous avons fait ce mon midi. Amen, amen. Et depuis là, on n'en avons plus fait. Nous n'avons plus fait. Frère, c'est prophétiquement parlant que Jésus. Nous sommes là aujourd'hui. Jésus, Jésus. Aujourd'hui, Jésus. C'est le prophète Jérémie qui vous parle. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, vas-y, mon frère. Au nom de puissant de Jésus Christ de Nazareth. Oui, mon cœur tressaillit de joie parce que ces choses sont évidentes. Parce que ces choses-là sont évidentes. Parce que ces choses-là sont évidentes. Et nous les croyons que c'est possible. Et ça s'accomplira à celui, à celle qui s'attache. Alléluia. À celui, à celle qui saisit. Car tout est possible. Alléluia. Seigneur, je saisis ces paroles. Je saisis ce moment, Seigneur Jésus. Je saisis cette parole au nom de Jésus. Car la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas vers lui sans avoir accompli sa volonté. Alors nous le croyons que nous marchons dans la gloire de Dieu. Nous sommes appelés de marcher de progrès en progrès. Oh, le changement Jésus. À tous égards. Ça ne fait que commencer au nom de Jésus. Ça ne fait que commencer. Prenez-moi en photo. Ça ne fait que commencer. Prenez-moi en photo. Je suis en train de faire. Prenez-moi en photo. Je le prends. Ça ne fait que commencer. Yes. Ça ne fait que commencer. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement, pasteur Rig. Alléluia. C'est le début. Frère, continue à prophétiser. Jésus, nous témoignerons de ces choses. Je t'en prie en photo. Alléluia. Il est que soit béni. Bien aimé. Nous sommes le 21 juillet. Nous sommes le 21 juillet. 2023. Alléluia. Il est 13h02. Et deux minutes. J'ai pris mon frère Jérémie en photo. Prenez-moi en photo au nom de Jésus. Retenez à la parole. Sinon à la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Vous savez, la foi est une folie. Il te sera fait selon ta foi. Il nous sera fait selon notre foi. Et nous, nous avons la foi qui est le changement. Ça n'est fait que le début du commencement. Ça n'est notre puissance de Jésus. Pasteur, je vous retiens comme vous êtes là. Parce que, alléluia, l'année prochaine, à la même époque, vous ne serez plus le même. L'année prochaine, à la même époque, vous ne serez plus dans ce pays. Vous serez dans les contrées afin de glorifier le nom de Jésus. Vous serez dans les contrées afin de témoigner de la grandeur de Dieu. On vous contactera. On vous appellera. Mais pasteur Hugues, on ne vous connaissait pas. On ne vous voyait pas. Alléluia. Vous êtes sorti de où? Venez-vous? Mais c'est le Seigneur qui m'avait gardé. Dieu. C'est le Seigneur qui m'avait préparé. C'est le Seigneur qui a tout fait. Dans le nom de Jésus. Jésus, merci, 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 Jésus. Merci, merci. Et je prie pour un couple. Je prie pour un frère qui, oui, qui soupire au mariage. Je prie pour une soeur qui soupire au mariage. Je prie pour un couple qui soupire aux enfants. Alléluia, vous ne serez plus les mêmes. Vous ne serez plus les mêmes. Au nom tout puissant de Jésus Christ. Laissez les gens parler. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Laissez-les parler. La vipère s'est attachée à Paul. À Paul. Paul a secoué. Ils changeront eux-mêmes d'avis. Amen. Ils changeront Alléluia. D'avis. Yes. Toi, tu veux toujours te justifier. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Tu te justifies. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu te justifies. Pourquoi tu n'as pas de travail? Tu te justifies. Pourquoi tu n'as pas de papier? Tu te justifies. Pourquoi tu prends le métro? Tu te justifies. Pourquoi tu n'as pas réussi? Tu te justifies. Tu te justifies plus haut. Plus haut. Prends le mot justification.
Parce que Dieu s'est fait justification pour yes. eux. Amen, 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 amen. Arrête de te justifier. Arrêtons. Arrête de te justifier. Arrêtons. Ton ADN est différent de la personne à qui tu dois toujours te donner des explications. Alléluia, alléluia. Je ne dis pas de manquer de respect. Amen. Je ne dis pas de manquer de respect à tes parents. Amen. Je ne t'appelle pas à la rébellion. Amen. Il ne faut pas toujours te justifier. Yes. Jésus-Christ face à Pilate, il a gardé silence. Il a gardé silence. Amen. Il a gardé silence. L'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Le problème, c'est qu'on te voit dans cette forme informe et vide. Alléluia. Quand on te regarde, on dit, peut-il venir quelque chose de bien de Jérémie? Non. Jésus. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Qu'il y a une semence qui a été plantée. Alléluia. Amen. Je saisis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la semence qui a été plantée dans ton cœur puisse Amen. Croître maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Parle à la semence. Amen. Au nom de puissant. Je parle à cette semence-là. Sois semence qui est cachée. Je te prie au nom tout puissant de Jésus-Christ de te révéler dans ce monde. Révèle-toi. Je te prie de se révéler. Alléluia. Révèle-toi. Révèle-toi au nom de Jésus. Révèle-toi au nom tout puissant. Que cette lumière jaillisse maintenant. Que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit maintenant. Que la lumière soit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les livres d'Ésaïe. Yes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alléluia. Qui habitait la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Voit subitement une lumière jaillir. Amen. Je prie que la lumière jaillisse dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus, je saisis. Alléluia. Tu es en train de marcher en tâtonnant. Yes. Maintenant, je prie que la clarté soit. Amen. Au nom de Jésus. Que la concision soit. Au nom de Jésus. Que la précision soit. Je saisis au nom de Jésus. Que Dieu te montre ce qui était caché. Je saisis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare. Yes, pasteur. La gloire de Dieu s'est décachée. Parlez, pasteur. Alléluia. La gloire du roi. C'est-à-dire que Alléluia. Je te fais quitter l'étape des serviteurs. Alléluia. Il dit aux disciples, yes. dans Jean chapitre 15, je pense au verset 16, ou Jean 16, 15, yes. trouve-moi. Il dit, yes. je ne vous appelle plus serviteur. Yes. Parce que le serviteur, maintenant, je vous appelle ami. Amen, il est amen, temps amen, que amen, tu amen, montes amen. De niveau. Alléluia. Parce que amen, tu amen. Peut-être dans, il dit, Dieu dit, frère, trouvez-moi ce passage. Alléluia, alléluia. Kababoro. Au nom tout puissant de Jésus, il dit, je ne vous appelle plus. Alléluia. Oui. Ce n'est pas le même, alléluia, gloire soit rendue à Dieu, tu peux gloire dire. À toi. Ce n'est pas celui-là, pasteur, je n'ai pas le même. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai non, ça, choisi. Oui, continue, lis ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, montre, je vous le donne. C'est Jean 15:15. Jean 15:15, alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Maintenant, verset alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tu as le choix de Dieu. Alléluia. Donc Dieu te fait passer d'étape de serviteur à étape d'ami. Amen. C'est pour cela dans les livres de Proverbes, la Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Amen. Mais la gloire des rois. Le roi à l'époque c'était ceux qui étaient rois. Alléluia. Bien aimé, à l'époque de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, il y avait trois catégories de ceux qui étaient rois. Yes. Les prophètes, les lévites ou qu'on appelait les prêtres et les rois. Et les rois dirigeaient le pays avec sagesse. Alors quand Amen. Dieu est intelligence et quand Dieu décide, il dit, c'est la gloire, comme le roi Salomon dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais il dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dans d'autres versions, dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Ouh. C'est-à-dire que Dieu ne peut révéler qu'une catégorie de choses. Il ne peut révéler que ces choses qu'à une catégorie de personnes. Et Amen. Tout cela dépend de l'intimité, de la relation intime que tu as avec lui. Amen. C'est pour cela qu'il fait passer les disciples d'étape de serviteurs à amis. Parce que là, lorsque vous entrez dans cette étape-là, Christ entre dans ce qu'on appelle le ministère privé. Il ne parle plus Amen. En public. Il s'adresse maintenant à sa sphère, à Amen. Sa ceinture, à Alléluia. Ses disciples-là. Mais il dit maintenant pour que je vous parle des choses-là Amen. Que moi j'ai apprises de mon Père. Amen. Nous devons entrer dans une autre dimension. Alléluia. Je suis le choix de Jésus. Je prie à quelqu'un Amen. Que tu Amen. Puisses entrer dans une autre dimension je où les choses qui t'étaient cachées te soient révélées. Amen. Mon frère, priez. Au nom tout puissant, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, Père éternel, que les choses que tu m'as réservées, les choses, Seigneur, que tu as promises dans ma vie, Seigneur Jésus, ça se manifeste, oh papa. Je te prie, Seigneur, nous te prions que tu te manifestes dans la vie d'un frère, d'une sœur, Seigneur Jésus-Christ. Car mon frère est le choix. Il est le choix de Dieu. Alléluia. Il est le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Ma sœur, tu es le choix
choix de Dieu. Je ne suis pas le choix des hommes. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Tu as le droit de dandiner. Amen, amen, amen. Même si le frère là te dit, il est en train de te dire, tiens, tu as l'âge que tu as. Tu as le droit de dandiner. Amen, alléluia, amen. Tu as le choix de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Tu as le droit de faire de fier. Amen, amen. Le sang de Christ t'a racheté. Au nom de Jésus Christ. Tu as le droit de dire non à ce frère là. Même si tu as l'âge que tu as, quand tu vois qu'il ne correspond pas à ta destinée, il veut faire de toi une deuxième femme. Tu dis non. Moi, belle comme je suis là, alléluia, avec les qualités intrinsèques que Dieu m'a données. Quand je me regarde, je vois même cette ride là, mais ça fait partie de ma beauté. Alléluia. Je vois ces cheveux grisonnants, ça fait partie de ma beauté. Tu veux que je sois ta deuxième femme? Tu penses que moi je suis un produit périmé? Non. Non. Dieu non. est le Dieu de la seconde chance. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, prie avec amen. Moi. Au nom pour de toutes Jésus. Ces femmes qui ont des sollicitations là, alléluia, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Nous allons chasser ces hommes là. Nous chassons ces esprits là au nom de Jésus Christ. Oui, ce sont des esprits qui amènent ces hommes là pour venir blaguer, pour venir jouer, pour venir mentir. Au nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur Jésus Christ de Nazareth, oui, de donner cette conviction à ces sœurs, Seigneur Jésus. Une conviction en toi, Seigneur, d'attendre ton feu vert. Une conviction de toi, Seigneur Jésus. Une force interne, une force intérieure, Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Nous prions pour ces sœurs, Seigneur, afin qu'elles sortent de ce double mariage. Je ne sais pas si sur YouTube ça fonctionne toujours. Essayez de voir. On dirait YouTube a un problème. On dirait que ça YouTube s'est bloqué. YouTube, qu'est-ce que tu nous fais à cet instant-là? Nous avons besoin de toi. C'est bloqué? C'est bloqué. Je vois seulement le direct. Ceux qui sont sur YouTube, passez sur Facebook. Il n'y a pas de souci. YouTube aujourd'hui nous a lâché. Ce n'est pas un problème. Amen. Nous allons de toute façon clôturer dans 4 minutes. Yes. Allez, passez sur YouTube. Nous continuons. Facebook. Sur Facebook plutôt. Passez sur Facebook. YouTube, obéis à ma voix. Il faut que tu reviennes. Hein, au nom de Jésus. Alléluia. Allez, nous sommes en train de prier. Il faut de prier au nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Et ce que tu as commencé ne finira. Amen. Pas que nous sommes simplement le choix. Nous sommes le choix voulu de Dieu. Amen. Nous sommes le choix désiré de Dieu. Amen. Vous savez, frère, la Bible dit, j'ai oublié, trouve-moi ça, ça doit être dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre est en train de parler. La Bible dit, le peuple demanda un roi à Dieu. Dieu leur donna Saoul. Mais pour David, il va dire autre chose. Je vais trouver ce passage. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le choix voulu de Dieu. Nous sommes le choix désiré de Dieu. Alléluia. Je suis le choix voulu de Dieu. Je suis le choix voulu de l'Éternel. Je suis le choix désiré de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le choix de Dieu. Au nom de Jésus, la volonté de Dieu s'accomplir. Alléluia. Acte chapitre 13. Alléluia. Nous sommes au parti du verset 20. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, après cela, durant 450 ans environ, il ordonna des juges jusqu'au prophète Samuel. Amen. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Continue. Alléluia. Oui, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le peuple a demandé un roi. Dieu leur donna Saoul pendant 40 ans. Mais David n'a pas été donné au peuple. David a été suscité au milieu du peuple. Alléluia. Quand tu es le choix de Dieu, yes, Dieu ne te donne pas. Amen. Dieu te suscite. Amen, 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 amen. Je saisis. Je saisis Dieu au nom de Jésus. Te suscite. Amen. Mais écoute, et il dit, et pour, auquel il a rendu témoignage. Mm-hmm. Il a quel témoignage, il a dit? L'homme, c'est l'homme au cœur. Non, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. C'est-à-dire amen. Que amen. Dieu a cherché d'abord. Il a géolocalisé David, et puis il a suscité. Yes. Pour dire que ce n'est pas le peuple qui l'a choisi. Pourquoi? Parce que le grand problème, amen, sinon le peuple avait dit, nous avons droit sur toi de te destituer, et de, parce que c'est nous qui t'avons choisi. Mais quand Dieu te suscite, amen, le peuple n'a aucun droit sur amen. Toi. C'est pour cela, lorsque les anciens sont venus pour oindre David, ils ont dit, pendant que Saoul régnait, nous savons que c'était toi qui dirigeais Israël. Wow. Parce que Dieu t'avait déjà suscité. Alléluia. Amen. Quand Dieu suscite un mariage, c'est profond. Quand alléluia. Dieu suscite des personnes, yes, tu deviens le choix voulu de Dieu. Amen. Ce n'est pas que tu as été choisi. Non. Choix, parce que Dieu a fait de minutieuses recherches sur tous les enfants d'Israël. Il a commencé à
criaient l'un après l'autre. Il est venu trouver un berger du nom de David. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Et il a suscité. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas pressé de te susciter. Amen. Il y a toujours un temps de préparation pour que les gens puissent t'adopter. Mm-hmm. Oh non, moi dans cette église, on ne me reconnaît pas. Non, laisse Dieu te susciter. Amen. Il t'a déjà trouvé, mais laisse-le te susciter. Amen. Tu sors peut-être d'une terre étrangère. Mm-hmm. Tu es peut-être sur un pays qui n'est pas le tien d'origine. Laisse Dieu te susciter. Amen. Frères et sœurs, laisse Dieu. Il y a des bâtiments que nous, église de là-bas, nous allons construire en ce au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est Dieu qui va susciter. Alléluia. Amen. Là où tu peux en commencer une entreprise parce que Dieu t'a suscité. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Pendant 40 ans, il a donné de Saoul au peuple. Et à un moment donné, le peuple était fatigué de Saoul. Maintenant, il a suscité. Alléluia. C'est pour cela qu'on te suscite. Il y a toujours des cantiques qui naissent. Amen. Saoul a tué ses 1000, David a tué 10 000. Et ce n'est pas David qui a demandé. Ce n'est pas David qui a demandé. Oh non, chantez pour moi. Ouais, chantez pour moi. Non. Je vous donne l'argent. Oui. Laissez les gens faire votre publicité. Amen. Tu es toujours pressé. On ne parle pas de moi. Mm-hmm. Quand on fait des affiches, on met pasteur Hugues et consort. Tu es jaloux. Non. Laisse Dieu faire ta publicité. Il sait. Alléluia. Il connaît le temps opportun où on mettra le pasteur Jérémie. Amen. Et consort. Alléluia. Gloire à Jésus. Il connaît le temps. Béni soit l'Éternel. Frère, merci, nous sommes arrivés à la fin. Le temps passe vite, pasteur. Trop vite. On est venu vous retenir. Amen. On est venu vous garder. Amen. Ah, Jésus. Roi Philippe, reçois. Amen. Nos salutations. Alléluia. Reine Astrid. Alléluia. Comme disent certains, voici nos salutations. Elles sont là. Amen. Ça tombe sur toi. Amen. Je te bénis, Reine Astrid. Au nom de que Jésus. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Amen. Pour que tu puisses conseiller ton mari. Amen. Je te bénis, roi Philippe. Amen. Afin de bien diriger la nation, la Belgique. Amen. Dont je suis nationaliste. Amen. Je fais partie de ce royaume. Amen. Je paye. Pourquoi je fais partie? Je paye mes impôts. Alléluia. Je paye mes taxes. Nous contribuons. Avec mon impôt, on paye les gens. Alléluia. Amen. C'est pour cela, toi, chômeur, va contribuer. Va. N'attends pas toujours qu'on te donne. Non. Lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, la Bible dit, et la manne, c'est ça. Alléluia. Oh non, pasteur, nous sommes là. Va travailler. C'est dans ce pays où j'ai appris qu'ils n'avaient pas de son métier. Amen. Frère, moi j'ai travaillé dans le domaine de la salubrité. Amen. On faisait le tri des déchets. Alléluia. J'ai travaillé, frère, il y avait des gros métaux. On vous donne une lime, même pas mécanique. Vous devez scier. Vous avez des ampoules qui sortent ici. Jésus. J'ai fait combiner deux boulots. Je finis à 5h du matin, 6h, je commence un autre travail. Je sais, frère, ce que ça veut dire. J'ai travaillé dans le froid en tant que facteur. Seigneur Jésus. Les amis, va travailler, tu as la force, va travailler. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Tantôt croiser les bras. Tantôt couché, on dit quoi? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, comme un voleur. Va travailler, lève-toi, va contribuer pour ta nation. Amen. Avec ta contribution, on paye les policiers qui sont en train de nous garder. On paye les militaires qui protègent le pays avec ta contribution. Amen. Avec notre contribution, Amen. On est en train de contribuer, frère. Amen. Tu vas à l'hôpital, il y a des gens qui viennent ici pour se faire soigner. Oui. Moi, j'ai accueilli un pasteur qui a été opéré, mais quand j'ai vu les factures faramineuses, j'ai crié 10 000 euros, 20 000 qu'il devait payer. Nous, on vient seulement pour se faire... Tu ne sais même pas payer la mutuelle. On t'envoie des recommandés pour la mutuelle. On t'envoie à toi des recommandés. Monsieur, vous avez oublié de payer votre mutuelle. Ta santé à toi, on doit... Te rappeler. On doit te le rappeler. Ta santé à toi. T'es bien fait à toi. T'es bien fait. Tu ne veux même pas payer le transport en commun. Tu fraudes dans le métro. Et puis tu viens à l'église de la bonne. Chandare kabababa. Fraudeur. Réponds-toi. Alléluia. Paye l'abonnement. Tu n'as pas l'abonnement. Prie Dieu, il va t'envoyer un corbeau. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Là où tu es, que ce soit en République démocratique du Congo, je vois une soeur qui nous met le drapeau du Congo. Là où tu es, sois bien-aimé. Oh non, c'est un pays compliqué. Ici, l'État ne fonctionne pas. Toi, sois juste, Dieu sera aussi juste. Amen. Refuse la corruption. Yes. Contente-toi de ton salaire. Amen.
Refusons la magouille. Amen. Oh pasteur, tu vois ici, on peut jongler comme ça pour... Non, non, frère, soyons lucides. Faisons les choses telles que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. Frère, oui, pasteur, prions, frère. Roi Philippe, nous attendons, nous aurons un deuxième bâtiment. L'année Amen. Prochaine à 7h ici. À la même époque. C'est avec Action des Grâces. Avec Action des Grâces. Un bâtiment, frère. Yes, pasteur. Avec CBB TV. Amen, amen. Prions amen. Pour cela. Amen, amen. Un bâtiment pimpant neuf. Amen. Si nos amis de l'ICC ont pu obtenir ce grand bâtiment, c'est le même Dieu. Il prend un Dieu étranger. Amen. Frère, ils avaient commencé comme nous, non? EMC TV, c'était comme nous dans une chambre. Tout frère, à fait. C'est petit ici. Mais un jour, vous entrez dans un studio, on vous dit c'est mon matin, c'est mon midi. Alléluia. À vous la parole. Amen. Oh, oh Jésus. C'est Bébé TV. C'est possible. La chaîne de l'information. Nous la voyons déjà. Céleste. Que mon Dieu vous bénisse. Mon frère Jérémy. Pasteur Hugues. Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est le 10e règne du roi Philippe. Au 10e. Oui. Tu me donnes l'information. Continue. Est-ce que vous pouvez prier pour cette 10e année de règne? C'est Amen. Spécial aujourd'hui pour lui. Alléluia. Pour ce pays de la Belgique. Seigneur, nous prions pour ton serviteur que tu as mis sur ce pays. Seigneur, j'aime beaucoup cette histoire. Quand tu voulais bénir cette église, tu as dit que tu allais susciter un Cyrus. La Bible dit, lorsque Israël devait rentrer, la Bible dit, et Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Frère, cherche-moi ce passage. Alléluia. J'ai à cœur que nous puissions prier. Vous savez, quelquefois, nous allons prendre que 2 ou 3 minutes. Quelquefois, Dieu peut permettre. Oh non, c'est un païen. Il est dans l'occultisme. Et tchèque, tchèque. Frère, si tu es chrétien, postule. Amen. Nous sommes toujours les premiers à critiquer. Ah, pasteur, ils sont dans l'occultisme. Pourquoi on doit prier pour eux? Ils sont, non, frère. La Bible dit, Dieu suscita, réveilla l'esprit de Cyrus. Cyrus était un païen. Mais Dieu a réveillé son esprit. Il réveilla l'esprit de Cyrus. Et moi, quand Dieu m'avait parlé de cette église, Dieu m'avait parlé de cette église. Il m'avait dit, j'enverrai un Cyrus, quelqu'un qui n'est pas de cette église. Amen. Je ne sais pas si tu peux trouver cela. Écris à moi le nom Cyrus, tu vas trouver. Okay. Esdras. Oui, tu peux lire. Esdras chapitre 1, verset 1 à 2. Lis, mon frère. Je vais trouver ça tout de suite. Amen. Jésus-Christ. C'est dans 2 Chroniques chapitre 36, verset 26. Je vais lire. La première année, 2 Chroniques chapitre 36, verset 22. 2 Chroniques 36, verset 26. Je vais lire d'abord cela et puis nous allons continuer. La première année de Cyrus, roi de Perse. Afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée, que l'Éternel prononçait par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, un roi païen, qui fit faire de vivre voir par écrit cette publication dans tout le royaume. Verset 1. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, mais il ne savait pas que c'était Dieu. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Amen. Cyrus, un roi païen, mais qui parle de la parole de l'Éternel. Dieu Amen. Peut susciter même le roi Philippe ici, Amen. Même pour bénir l'église. Yes. Amen. Qui d'entre vous est de son peuple? C'est-à-dire qui est chrétien? Nous sommes là. Amen. On viendra nous consulter. Au nom de Jésus, Amen. On viendra nous consulter. Amen. Nous prions pour ce beau pays. Yes. On viendra nous consulter. Amen. Et ça, on nous consulte pour d'autres pays. Amen. Ici aussi, on doit nous consulter. Yes. Je continue, Amen. Frère. Qui d'entre vous est de ce peuple? Yes. Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel d'Israël. C'est le Dieu qui a Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du peuple leur donneront de l'argent, de l'or, des effets du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Nous allons prier pour ce roi. Amen. Frères et sœurs, le fait même que nous puissions parler librement comme ça, c'est une grâce. Amen. Dans certains pays, on vous muselle. Mmh. Vous n'avez même pas le droit de parler de Jésus. Seigneur, Amen. Nous prions pour le 10e anniversaire du règne de ton serviteur, le roi Philippe. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, ma prière en cet instant, c'est que tu lui accordes encore sagesse, intelligence, force de pouvoir diriger ce beau pays, la Belgique. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, certes, qu'il soit un pacificateur, qu'il soit un unificateur, qu'il soit un rassembleur, Seigneur. Nous connaissons toutes les velléités qu'il y a entre les Flamands et les Wallons. Seigneur, mais que celui-là ne puisse pas amener la division.
qui soit plutôt un rassembleur. Seigneur, merci d'avoir mis à ses côtés sa chère et tendre épouse, Amen. Son épouse, la reine Astrid. Seigneur, nous prions aussi pour sa fille, dont j'ai oublié le prénom, qui, d'ici quelques années, va aussi diriger la nation belge. Nous prions, Seigneur, alors qu'on est en train de la prendre, Seigneur, Amen. Que tu la remplisses de cette capacité. Et pourquoi pas qu'elle fasse mieux que son père. Amen. Seigneur, nous bénissons toutes les autorités de ce pays. Nous bénissons l'armée. Seigneur, l'armée belge, nous bénissons la police, nous bénissons l'administration belge. Il y a quelques années, Seigneur, pendant plus d'une année, Seigneur, nous étions son gouvernement, mais l'administration a fonctionné. Dans certains cieux, il n'y a pas de gouvernement, l'administration aussi tombe en faillite. Mais dans ce pays, Seigneur, tu as permis que l'administration soit séparée de la politique. Amen. Nous bénissons, Seigneur. Nous bénissons et nous prions pour l'ouverture évangélique dans ce royaume de la Belgique. Amen. Seigneur, nous voulons que tes églises puissent s'étendre de part et d'autre. Je ne prie pas simplement pour l'église de la Borde, mais nous prions pour toutes les églises sœurs qui prêchent ton évangile en esprit et en vérité et qui craignent ton nom. Seigneur, nous voulons que tu manifestes ton nom, ta gloire. Seigneur, merci parce que tu vas encore susciter une race d'hommes et de femmes, Seigneur, qui vont apporter ton évangile ici en Belgique, en Wallonie, en Flandre orientale, en Flandre occidentale. Royaume belge, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je déclare que cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci mon frère Jérémy. Merci pasteur Rick. Oh, que des moments bénis. Tu m'as beaucoup Amen. Manqué mon frère. Hein? Oh, vraiment mon binôme. Que Dieu soit béni. Amen. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vous donner rendez-vous ce soir à 18h30 yes. avec le temps d'intercession qui sera dirigé par notre frère Jérémy. Et moi, je serai là à 22h30. Nous allons clôturer notre temps de action de grâce. Action de grâce. Alléluia. MJEP. Ça finira par une action de grâce. Ça prend, ça prend. Ça prend, ça prend. Soit tu prends, soit tu lâches. Nous sommes de ceux qui allons prendre. Amen. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est mon midi. Quand est-ce que nous allons nous revoir? Dieu seul sait, pasteur Rick. Alléluia. Amen, amen. Aux belles tenues, hein, vraiment, nous yes. sommes vraiment des nationalistes. Mm-hmm. Tout en tenue militaire. On s'approprie. Parce nous nous sommes camouflés. Amen. Le diable ne peut pas nous toucher, mais nous nous sommes camouflés simplement. Amen, amen. Afin de prier. Yes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. À la prochaine. Et bonne fête nationale. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.